Vous allez bien, Daniel Deschaines pour une autre capsule sur l'intégration des technologies en univers social. Aujourd'hui, je vous parle de l'application Padlet. Je vous en parle pourquoi? Parce que j'ai été appelé à intervenir à l'école virtuelle et l'un de mes premiers réflexes, ça a été de travailler avec Padlet durant les séances avec les élèves. Euh, je m'en suis servi pour des ateliers, donc euh, au premier cycle, secondaire 1 et 2 réunis. Alors je vous propose tout de suite ce que j'ai fait, je trouvais ça intéressant, je me suis dit que je vais vous le partager. Euh, juste avant que je vous partage justement ces, ces, euh, ces idées-là, euh, je me suis servi en fait de la fonction toile sur Padlet. Euh, en fait, je peux vraiment réorganiser les idées, je peux faire des liens, ça ressemble presque à un schéma. Un schéma de concept, presque, on pourrait y aller euh, dans cette optique-là. Et je me suis servi de la fonction chronologie, donc pour travailler la ligne du temps, puis réorganiser les idées selon une espèce de séquence chronologique. Euh, Padlet est surtout reconnu pour son mur, euh, on voit ça dans des grandes rencontres, les, les participants qui euh, posent leurs questions, euh, puis on peut... Euh, des, des, des gens qui sont en, en charge de leur rencontre peuvent répondre. Enfin, c'est un mur de questions. Souvent aussi des colonnes où on, où on va partager, on va regrouper des productions une même, euh, dans une même situation, un congrès, un cours. Enfin, bref. Ce sont peut-être les, les applications qui sont les plus connues, mais aujourd'hui, je vous en présente deux autres. Alors, go, c'est parti. Euh, donc, l'idée de travailler la périodisation m'est venue, en fait, euh, il y a deux ans, quand j'ai monté la trousse sur De Vinci, avec le roman du même nom. Euh, donc, un euh, roman sur Du Vinci, euh, sur de Vinci, pour, qui nous, am, nous permet un petit peu d'amener ce qu'est la Renaissance, une période dans une période. Euh, C'est pas sûr que les élèves comprennent vraiment ce qu'est une période dans l'histoire Alors, euh, dans cette trousse-là, je, je leur avais dit, on va périodiser votre vie. Alors, voici comment ça pourrait euh, être fait en classe. Très simplement, 20-25 minutes. J'ai demandé aux élèves de présent, de me donner les deux événements les plus importants de leur vie. Donc j'ai reçu 10 événements. Vous en déduisez donc que j'avais 5 élèves. Ensemble, dans une discussion, nous avons convenu, nous avons évincé les 5 événements qui semblaient les moins importants pour ne garder que les 5 plus importants. Donc ils ont été replacés, réordonnés euh, dans le fond sur, euh, sur, la ligne, euh, sur la ligne du temps que voici. Je peux changer les couleurs pour les événements. Euh, donc tout le monde s'est entendu sur ces événements-là. Et bien sûr... Là, le, le, le fun commence. Donc, l'intervalle de temps entre des événements importants, c'est ça une période. C'est un peu là-dessus que j'ai axé mon propos. Euh, donc, une période de temps de ta vie, c'est un moment où tu, euh, tu agis d'une telle et telle manière jusqu'à ce qu'il arrive un événement important où, là, tu vas changer ta manière euh, de vivre parce qu'il arrive justement une nouveauté. Donc, le moment où tu nais, puis entre le moment où tu nais et oui, le moment où tu vas parler, euh, ça se peut que ce soit une période où euh, tu agisses de la même manière, à savoir, tu es un nourrisson, euh, tu bois du lait, tu dors, tu pleures, tu demandes maman, enfin bref, euh, ça ressemble un petit peu à ça. Puis, à partir du moment où tu vas parler, puis jusqu'au jour où tu vas marcher, ben là, tu vas agir d'une autre manière. Donc, ça, c'est une autre période qu'on pourrait appeler... Euh, un autre nom. Donc c'est un peu la même chose en histoire. J'ai vraiment décontextualisé la patente, mais c'est pour, ce pour que les élèves s'approprient davantage. Euh, effectivement, ça, donc les, des cinq, des, des grandes périodes historiques, j'en suis passé aux grandes périodes de l'enfance des élèves. Et je pense que ça a été bien euh, compris à ce, à ce niveau-là. Deuxième atelier. Que j'ai fait cette semaine, c'était un petit peu en, en lien avec les frasques de Donald Trump, les frasques récentes, euh, à savoir aussi sur la désinformation, sur l'évaluation des sources en histoire, donc plus dans, au niveau de la méthodologie. Donc je suis allé de ce côté-là, donc je leur pose la question comment on peut évaluer une source d'information en histoire C'est quand même la base. Je leur propose d'écouter une vidéo, on est en synchrone, la vidéo porte sur le DAU, euh, vidéo en, vraiment fascinante, hein? on a euh, comme pourrait le mentionner Charles Dissert. Euh, le daïu en fait un animal imaginaire qui, 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 euh, dont la, la morphologie, hein, euh, il, il a deux types de pattes, des pattes plus hautes, des pattes plus longues, parce que c'est un animal de montagne, donc ça grimpe mieux. Euh, bien évidemment, ça lui amène toutes sortes de difficultés. Donc je leur présente cette vidéo-là. Et à la fin de la vidéo, je leur demande à chaud comme ça euh, ce qu'ils en pensent. Est-ce que d'après eux, la vidéo, euh, le contenu est véridique ou il ne l'est pas? Donc, les élèves me donnent leurs opinions avec des, euh, des euh, une justification. Ce sont de véritables réponses que je vous montre euh, en ce moment. Je crois que le DAU existe car la vidéo, on voit bien que la personne qui chasse les DAU et qu'elle ne chasserait pas des animaux imaginaires. Donc, les élèves sont vraiment euh, euh, influencé par le contenu visuel, par, les, par ce que vont faire les gens dans la vidéo. Donc c'est quand même euh, un, une réponse qui nous donne à penser que c'est vraiment important de travailler euh, justement l'analyse des formations. Donc une fois qu'on a eu cette discussion-là avec les élèves, je leur donne pas vraiment la réponse, mais je leur dis quelles seraient les questions qui nous aideraient à justement déterminer si cette vidéo-là est vraie ou elle est fausse. Donc, en jasant avec eux, euh, je prends leurs réponses, puis je réorganise tout ça sous forme de questions. Donc, les questions sont euh, en fait tout autour ici de mon intervention. Donc, qui est l'auteur Est-ce que les gens qui apparaissent dans la vidéo sont des acteurs À la fin de la vidéo, on voyait qu'il y avait un, un un storyboard, là, il y avait euh, acteurs, musique, euh, enfin bref, ça faisait plus documents ça faisait plus euh, euh, court métrage que documentaire. Est-ce que le contenu est, ré est réel Est-ce qu'il y a des montages Donc, il des, parfois il y a des montages dans les fake news. Hein. Euh, Est-ce que les, euh, les infos sont véridiques Faudra les valider. C'est -ce, quoi, c'était quoi l'intention du producteur de cette vidéo-là Bien évidemment, en, en toute fin de séquence, nous sommes allés sur Google, on, on a tapé Dahu, puis on a trouvé effectivement que c'était un animal imaginaire, puis que dans le fond, c'était une vidéo qui servait souvent justement à montrer aux élèves comment se positionner devant euh, une telle situation. Donc bref, ça a été fait avec Padlet, ça a été très interactif, je pense que les élèves ont apprécié euh, l'expérience. Euh, donc euh, c'est ce qui est possible de faire très facilement, de courts ateliers d'environ 20-25 minutes, puis euh, tout ça est possible, euh, on est tous sur le même tableau, puis on, on interagit ensemble euh, en synchrone. Ça pourrait être fait aussi en asynchrone, euh, effectivement j'aurais pu laisser le, tablette déjà, le, le Padlet pardon, déjà euh, monté, puis les élèves... Euh, interagissent, puis dans, dans le cours suivant, je peux revenir sur ce qu'ils ont produit. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis je vous dis euh, à la prochaine!